En fait, à chaque âge, on a chacun notre propre expérience, bon, qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte. Donc, il faut quelque chose à l'intérieur de nous qu'on puisse sortir. Et c'est sûr que dessus, je peux peindre ce par quoi je suis passée, mais aussi, justement, comme vous le dites, le futur. Donc, j'essaye de mélanger les deux. Et moi, je me positionne au moment présent. Donc, je mélange le passé, le présent et le futur pour faire un tout dans ma peinture. Je pense que c'est encore, on va dire, un manque de confiance. Et puis, justement, vouloir encore conserver un jardin secret et pas tout dévoiler. Ce qu'on peint, ça dévoile un petit peu le caractère. Donc moi, comme vous avez dit, de la pudeur, ben, ça reflète ce que je suis un peu. Donc sur la toile, ça me permet de m'exprimer. Et c'est peut-être un moyen de faire voir aux gens ce que je pense à travers la peinture, ce que je suis réellement, moi. C'est peut-être un lien entre la personne qui regarde la toile et celle qui l'a fait. Quelque chose qui, la peinture, je pense que ça unit, enfin, à tous les rapports, hein. Au niveau visuel, au niveau de la parole. On peut rentrer dans la toile pour découvrir ce qu'il y a derrière.